naviguant actuellement sur le lac de Gatun. Il s'agit en fait d'une immense étendue d'eau artificielle de plus de 60 km de long, alimentée par le fleuve Chagre. La profondeur de la zone navigable est comprise entre 12,50 m et 13,70 m. Le lac de Gatun fut réalisé au cœur de la forêt tropicale. Nous en avions survolé une partie lors de notre séjour à Caracas. Nous traversons aujourd'hui ce formidable réservoir de richesses floristiques, véritable poumon de la planète. La végétation est luxuriante. Une voie ferrée reliant les deux océans existe depuis 1855. Elle longe parfois le canal. La taille, et par conséquence le volume et le tonnage des bateaux utilisant le canal, est limitée par les dimensions des écluses et par la profondeur de l'ouvrage. Depuis quelques années, un grand projet de modernisation des installations est en cours de réalisation. Dans un premier temps, il faut creuser puis élargir la tranchée des gaillards. Cette dernière permet le franchissement du seuil de la Culebra. Les travaux de forage et de terrassement sont en cours. Des centaines d'engins évacuent chaque jour des milliers de tonnes de déblais. D'énormes pelles mécaniques creusent le lit. La plus grosse difficulté reste bien entendu la réalisation de nouvelles écluses. Elles seront plus larges et plus longues que celles existantes à ce jour. La préoccupation des concepteurs reste l'approvisionnement en eau. De nombreuses techniques sont à l'étude. C'est ici qu'aboutiront les écluses côté Pacifique. Il faudra pour cela déplacer une montagne. Nous achevons la traversée de la tranchée Gaillard. Devant nous apparaît la première écluse. Ici, les trois ouvrages permettant le retour au niveau de la mer ne sont pas successifs. Nous passons en premier une écluse isolée, puis plus loin se succèdent les deux écluses de Miraflore. Depuis notre entrée dans le lac de Gatun, nous sommes suivis par le cristal Symphonie. Le voici qui pénètre dans l'écluse située à notre gauche. Enfin Miraflore, dernier obstacle avant le Pacifique. Un bâtiment spécialement conçu pour les touristes se dresse au nord de celle-ci. Depuis ses nombreuses terrasses, on peut observer le site ainsi que le va-et-vient des navires. Le cristal Symphonie franchit la troisième écluse. Comme nous, il navigue à présent dans une eau salée. Nous venons de changer d'océan, bonjour le Pacifique. Au loin, les premières tours de la ville de Panama apparaissent,
au-dessus de ce qu'il subsiste de la forêt tropicale. Le pont des Amériques, sur lequel passe la Panamérica, autoroute reliant le Canada à Ushuaïa, est maintenant franchi. À de même pour la visite de Panama City.